Caroline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins parce que j'ai envie de te parler de voyage. Toi-même, tu sais, j'adore voyager, c'est pas nouveau. J'adore ça, je kiffe et je suis déjà en manque. Et je vous ai demandé quel genre de vidéo vous plairait, etc. Vous avez été nombreux à me dire, me demander en fait, comment je fais pour voyager, comment je fais pour découvrir le monde, aller dans des avions, des destinations au hasard. Alors je t'avais fait une vidéo à ce sujet, mon TV City, il y a à peu près un an et demi quand j'étais en Australie. Je venais d'arriver, ça faisait une semaine, quelque chose comme ça, que j'étais sur place. Mais je comprends que cette vidéo a dû se noyer dans le flot incessant de vidéos de YouTube et que tu peux pas forcément la retrouver. Donc on la refait, on recommence tout. Et maintenant avec de l'expérience en plus, puisque c'est pas juste des astuces, c'est aussi du vieux cul. On adore l'humour. Si vous êtes beaucoup à me dire, mais où trouves-tu l'argent, Florence? Et honnêtement, l'argent, je ne le trouve pas. Voilà. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de baguette magique qui fait que je trouve de l'argent dans la rue. Donc la chose qu'il faut faire en premier quand tu veux voyager, my kleine city, c'est bien sûr travailler. Voilà, il n'y a pas de secret, sans travail, il n'y a pas d'argent, voilà. Tu peux travailler sur internet, tu peux travailler chez tes voisins, tu peux avoir un travail classique, tu peux avoir un travail étudiant. Et honnêtement, si t'es étudiant, easy game, tu peux... Bien sûr, je vais mettre un bip parce que sinon je vais être démonétisée. Donc tu peux avoir plein de boulots différents, c'est à toi de voir quel boulot tu as envie de faire. C'est les travails, c'est les secrets. La thune, toi-même tu sais comment on en fait, c'est pas difficile. Maintenant, comment, qu'est-ce qu'on part de manière pas trop chère? Se déplacer, telle une petite souris qui voudrait aller chercher son petit fromage à l'étranger. Ne regarde pas comme ça. Alors il y a différents moyens de se déplacer. Il y a forcément l'avion, il y a la voiture, le train, le bus, les pattes, le vélo. C'est comme tu le sens, c'est comme tu le veux. Alors bien sûr, il y a des gens hyper méga courageux qui font le tour du monde à vélo. J'ai des gens assez proches qui sont déjà allés jusqu'en Espagne à vélo. J'en connais qui sont allés jusqu'en Chine en stop. Et j'en connais d'autres qui n'ont jamais bougé leur cul de leur fauteuil. Ce programme vous est offert par la communauté du jugement gratuit. Voilà, donc dans les solutions les moins chères, nous avons le vélo, puisqu'il te suffit juste d'avoir un vélo et ça revient vraiment pas cher. En plus de ça, tu vas pouvoir profiter de tout ce qu'il y a autour de toi, puisque tu vas te déplacer à une vitesse assez lente qui te permet de regarder partout autour de toi. Et de... Ensuite, nous allons bien sûr partir à pied. Je connais des gens qui le font, qui vont jusqu'en France tous les ans à pied, ils font l'aller-retour, c'est un truc de malade. Et franchement, ça leur prend quelques semaines et ça vaut le coup, je pense, de faire les choses à pied si t'as le courage, si t'as les ovaires ou les burnes, de le faire, ça peut être vraiment cool et du coup, ça coûte zéro au niveau du déplacement. Ensuite, on a le stop. J'ai parlé avec une personne qui a fait du stop avec son petit ami pendant 2 ans pour aller de la Bretagne, il me semble, jusqu'en Chine. Un truc de malade, c'est de la folie. Bref, au niveau du déplacement, ça leur a coûté quelque chose autour de la bulle. Par contre, ça leur a coûté de l'argent sur d'autres choses, mais au final, ça restait un voyage budget pour 2 ans. C'est quand même pas trop mal. On va monter un petit peu le budget au niveau des bus. Maintenant, on a les Ouibus, les Flixbus, etc. qui vont partout en Europe. Mais il y a aussi des bus ailleurs. Moi, par exemple, quand je suis allée au Cambodge, j'ai pris un bus qui partait du sud de la Thaïlande jusqu'au nord du Cambodge. Et ça a coûté quelque chose comme 30 $, il me semble, 30 $ américains, au lieu de 140 € si je l'avais fait en avion. Donc on a économisé vraiment beaucoup, beaucoup d'argent en utilisant le bus. Le bus qui va du nord du Cambodge jusqu'au sud du Cambodge, c'était 6 $, il me semble, quelque chose du genre. Et encore une fois, l'avion, je sais même pas s'il y en avait, mais si on avait eu, ça aurait été beaucoup plus cher. Donc un peu partout dans le monde, tu peux trouver des bus qui vont d'un pays à l'autre. C'est vraiment hyper intéressant, il faut juste trouver la bonne compagnie. Mais bon, ça tu peux chercher par toi-même, regarder les avis, etc. des gens. Si ça dit, écoutez, il y a des cafards partout, tu n'y vas pas, c'est tout. Ensuite, nous avons le train et il y a un truc vraiment sympa qui existe ici. Alors je sais que ça existe en Belgique et à mon avis ça existe partout en Europe puisque ça relie toute l'Europe. C'est une espèce d'abonnement de train qui va partout où tu veux en Europe, ce qui permet de faire des longs trajets, de faire des city trips de un jour dans chaque ville d'Europe que tu as envie de visiter. C'est vraiment intéressant. Un truc pas mal que j'ai fait cette année en Norvège, c'était un road trip
Pour le coup, on a pris l'avion jusqu'en Norvège et ensuite on a loué une voiture pour faire le tour de la Norvège. Même si tu as une voiture, ça peut être vraiment très intéressant de faire l'Europe ou même plus loin avec ta voiture. Bien sûr, il faut qu'elle soit adaptée. Si tu veux aller dans les Zara, ça va pas marcher avec une Opel Corsa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu aies une voiture qui soit adaptée au road trip. Mais une fois que tu l'as, tu payes juste ton essence, tu payes tes taxes. Il faut de l'argent évidemment pour les péages et les frontières selon les pays dans lesquels tu vas. Mais ça peut être hyper intéressant de faire un tour de l'Europe par exemple en van, en caravane, en voiture. Ça peut être vraiment très très bien et c'est très budget. Et ensuite bien sûr nous avons l'avion. Et pour l'avion en fait il y a différentes choses. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à aller sur Skyscanner pour aller comparer les prix des différents vols. Et ce qui est intéressant avec Skyscanner, c'est que tu mets ta destination, bon tu peux piquer une destination au hasard si tu n'as pas de destination en tête, mais tu mets ta destination et tu peux mettre tout le mois. C'est-à-dire que ça va te proposer des vols sur tout le mois en comparant les prix et là tu peux décider de prendre le moins cher. Ça peut être une différence de 50 balles comme une différence de 400 euros. C'est vraiment selon le jour où tu pars, ça peut être tout et rien à la fois, donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite on a Voyage Pirate et ça c'est un site intéressant, très intéressant, un site internet qui permet d'avoir de très 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 bonnes affaires, ça on aime, sur des vols. C'est à dire que des fois dans l'année j'ai déjà vu passer des 250-300 euros l'aller-retour pour Tokyo et même en période de sakura. Donc c'est vous dire que c'est pas forcément parce que c'est une période de merde, donc même au mois de février tu peux avoir des allers-retours pour rien du tout, tu peux aller à Miami pour 300 balles, tu peux aller à New York pour 500 euros, hôtel compris, pendant 5 jours. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de bons plans, c'est hyper intéressant et si t'as pas d'idée, si t'as pas de date bien précise, c'est toujours très très bien. Et un point très important que j'ai pas encore abordé, je vais vite l'aborder là tout de suite, mais pas vraiment, si tu veux vraiment profiter de bons prix quand tu voyages, c'est d'être flexible un maximum. Évidemment si t'as congé que du 1er juillet au 30 juillet, t'es dans la merde parce que c'est la pire période pour voyager, c'est les 2 mois de vacances, c'est là où les prix sont au beau fixe comme le temps et où tu vas vraiment payer sa mère pour rien du tout. Donc il faut que tes congés, tu puisses les prendre un peu n'importe quand dans l'année et que tu puisses dire voilà, j'ai mes billets, maintenant je prends mon congé et je m'en vais. La flexibilité, mon city, c'est le plus important. Alors maintenant que tu es à Copacabana, nous pouvons maintenant parler du logement. On a tout d'abord Airbnb, toi-même tu connais les bails. Donc Airbnb c'est tout simplement des privés qui vont louer à d'autres personnes qui veulent tout simplement visiter une ville, un pays, qui sont là pour du business, toi-même tu connais les bails. C'est des prix qui sont très très concurrentiels par rapport aux hôtels. D'autant plus que si tu restes longtemps comme moi, si tu as tendance à rester plus d'un mois à chaque endroit que tu visites, Airbnb est très intéressant puisqu'il propose généralement des réductions à partir d'un mois. Ça peut être une réduction de 20% comme une réduction de 50% selon le lieu où tu vas. Et du coup, tu économises carrément 2 semaines sur ton voyage d'un mois, ce qui est franchement pas mal. Ensuite, on a bien sûr le couchsurfing. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais si jamais t'es pas au courant, le couchsurfing, c'est tout simplement toi qui vas aller chez quelqu'un, dormir dans la chambre d'amis, sur un matelas par terre ou dans un fauteuil gratuitement. Et donc, c'est des gens qui ont envie de rencontrer d'autres personnes, échanger avec d'autres cultures, des gens très sociables finalement qui ont envie de se sociabiliser. Moi je sais pas si je le ferais parce que je suis quelqu'un d'assez timide et puis j'ai besoin de mon intimité honnêtement, mais c'est une solution qui peut être vraiment super intéressante si toi aussi t'es quelqu'un de sociable, t'aimes bien rencontrer les gens, papoter, te faire des auberges espagnoles et tout ça tout ça. Ensuite on a les auberges de jeunesse. Alors les auberges de jeunesse c'est très simple, tu vas soit être dans une chambre privée si t'as vraiment de la chance, mais alors ça vaut pas le coup parce que c'est plus cher, soit dans une chambre partagée avec 2, 3, 8, 20 personnes, ça dépend, mais ça peut arriver aux alentours de 3 euros la nuit. Maintenant si tu vas dans une auberge de jeunesse, je te conseille quand même de mettre tes affaires sous clé. Il y a souvent des vols dans les auberges de jeunesse, donc voilà. Faut faire en sorte de comprendre que quand tu partages une chambre avec 20 personnes, ils sont pas forcément tous beaux et gentils. Ensuite on a le camping, c'est ce qu'on a fait nous en Norvège, c'était du camping sauvage. Ce qui est permis en Norvège, tu peux mettre ta tente un peu partout où tu as envie.
parce que c'est comme ça. Ils savent très bien que les touristes sont là pour planter leur tente. C'est un pays qui est très ouvert au niveau des promenades en nature, des activités à l'extérieur, etc. Donc là-bas, le camping sauvage est permis. Mais en France, par exemple, c'est interdit. Donc il faut voir dans quels endroits tu peux aller. Il y a bien sûr des applications qui sont faites pour ça. Des applications où tu peux trouver des stations de camping, tu peux trouver des parcs nationaux, des toilettes, des douches publiques, etc., etc. Et bien sûr, il y a toujours internet pour t'aider à trouver où tu peux mettre ta petite tente et faire le dodo en toutes les qualités. Alors ensuite, on a le travail contre logement. Donc tout d'abord, le woofing. Le woofing, c'est tout simplement tu vas travailler dans une ferme à légumes, à fruits, à animaux, etc. Donc dans la nature. Et en échange, tu auras le logement, parfois aussi la bouffe qui sera gratuite. Ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Dans le même genre, on a le Helpix, mais moi je me méfie un petit peu d'Helpix tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de gens qui profitent finalement des voyageurs pour avoir des employés gratos. Parce que quand même, quand tu cherches 5 barman, 7 serveuses et des gens pour s'occuper de la plage, j'appelle pas ça aider, j'appelle ça travailler gratos. Mais le but de base de Helpix, c'est tout simplement de travailler 3-4 heures par jour en échange du logement et parfois de la nourriture. Donc à la base, c'est un peu pareil que le woofing, mais c'est pas forcément dans des fermes. Ensuite, on a évidemment être au pair. Donc là, tu vas t'occuper des enfants d'une famille et tu auras une petite rémunération, mais en plus de ça, tu auras le logement et la nourriture gratos. C'est sûr que tu vas pas t'habiller chez Chanel, mais au moins tu auras une petite rémunération et tu n'auras pas à payer tout ce qui est logement, nourriture, et je trouve ça plutôt pas mal. En plus de ça, ça te permettra d'apprendre la langue, d'apprendre la culture dans laquelle tu te trouves, et c'est vachement plus enrichissant que de passer ton temps dans un hôtel. Ce programme vous est offert par la communauté du jugement gratuit. Maintenant, nous parlons de l'argent à l'étranger. De l'argent à l'étranger. Bien sûr, il y a toujours travailler sur internet puisque ça c'est un métier que tu peux faire partout, mais en plus de ça il y a d'autres choses, donc fille au pair forcément, mais aussi le WHV qui veut dire Working Holiday Visa, donc un visa vacances travail. Vous les Français, vous avez beaucoup de chance puisqu'il y a énormément de pays dans lesquels vous pouvez faire ça. Nous pauvres petits Belges, nous avons l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. C'est donc un visa qui te permet de rester entre 1 et 3 ans dans un pays à condition de travailler sur place. Et ensuite, on a bien sûr toute l'Europe qui nous est ouverte sans visa de travail puisque nous avons ce petit contrat merveilleux qui dit que l'Europe, c'est qu'un seul endroit au niveau du boulot. Et ça, c'est cool. On va parler maintenant des dépenses sur place parce que c'est bien de se loger gratos ou pas cher, c'est bien d'avoir un billet d'avion pas cher, c'est bien de se faire de l'argent sur place, mais ensuite comment qu'est-ce qu'on fait pour pas tout dépenser quand on arrive là-bas? Alors déjà, les pièges à touristes, les enfants, voyez-les droit dans les yeux, arrêtez de faire des choses de touristes parce que ça coûte les bonbons et puis c'est pas si enrichissant que ça. La plupart des trucs qui m'ont le plus enrichi au niveau du plaisir, au niveau des découvertes, c'était des choses gratuites que j'ai faites. Alors bien sûr, il y a des dépenses nourriture et là on a tendance à aller parfois dans des restaurants européens parce que les frites ça manque et les pâtes bolognaise. Déjà, en général, quand tu vas dans un pays hors Europe et que tu veux bouffer européen, c'est soit très cher, soit dégueulasse, donc il vaut mieux pas le faire. Le mieux à faire pour économiser de l'argent sur la bouffe, c'est de manger comme les autochtones, dans les restaurants d'autochtones, et aller au marché, faire ta popote dans ton coin, etc. Donc c'est plutôt intéressant si t'as une cuisine avec toi. D'ailleurs, je te conseille cette petite popote ici, de chez Quechua, qui m'a été envoyée il y a pas très longtemps, et qui est vraiment géniale, puisqu'elle contient tout ce qu'il faut pour cuisiner à l'extérieur, pour cuisiner en voyage, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ceci n'est pas du tout rémunéré, c'était juste, ça vient de m'arriver comme ça, mais c'est super cool. Donc c'est vraiment bien de faire ta petite popote dans ton coin. Après, je te conseille quand même un truc très très important quand tu voyages, c'est d'apprendre la langue du pays que tu es en train de visiter. Alors tu vas apprendre les bases, mais aussi un peu plus que les bases, histoire de pouvoir te faire comprendre, surtout sur les marchés, surtout au restaurant, etc. Puisque ça te permettra de payer moins cher en général. Il y a beaucoup de pays qui sont un petit peu corrompus ou qui
profitent tout simplement du tourisme et comment pourrait-on leur en vouloir. Donc c'est-à-dire que s'ils ont affaire à quelqu'un qui va leur parler en français ou en anglais, ils vont gonfler les prix. Tandis que si tu parles dans leur langue, ils auront tendance à baisser un peu les prix. Et puis si toi tu comprends leur langue, tu sauras combien les autres ont payé et tu pourras leur dire « Mec, je sais qu'il a payé un bal, je vais pas en payer 5 ». Donc c'est plutôt intéressant de parler la langue sur place, que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau humain aussi, puisque tu pourras échanger beaucoup plus avec les gens sur place. C'est quand même le but quand on voyage. Bien sûr, quand tu as envie d'acheter un petit attrape-touriste ou quoi, n'hésite pas à marchander si c'est quelque chose qu'on fait dans le pays, parce que souvent ils gonflent, mais ils gonflent fois 4, 5, 6 le prix. Je te dis pas de marchander jusqu'à ce que ce soit vraiment dérisoire, mais un tout petit peu. Si c'est 5 balles, tu demandes 4, tu vois. Tu vas pas demander 1, parce que ça c'est vraiment dégueulasse et ça c'est vraiment du tourisme régressif, je trouve. Mais marchander un petit peu, déjà c'est marrant, et puis ça te fera économiser un petit peu d'argent et ça fera rire les gens si tu y arrives pas, donc why not. Et bien mon TubeCity, c'est une vidéo un petit peu sérieuse, mais j'avais vraiment envie de te la faire complète et que ce soit compréhensible pour toi. J'espère que ça t'a plu, que t'as bien noté toutes les astuces. De toute façon, je te ferai un petit article sur le blog que je te laisse ici pour te faire un petit résumé à l'écrit si jamais t'as pas pu prendre assez de notes. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi comme vidéo, et puis n'importe où. Salut !Ah